Amis des trains, bonjour et bienvenue sur le site letraindemanu.fr. Aujourd'hui, je vous propose un reportage sur l'événement « Train à l'heure » qui s'est déroulé le week-end des 23 et 24 septembre dernier à Passy-sur-Eure. Dans ce troisième épisode, nous prendrons une baladeuse tractée par une antique locomotive à vapeur, la marque Séguin de 1829. L'original de la locomotive marque Séguin ayant disparu, l'exemplaire ici présenté est une reconstruction à l'identique réalisée par les membres de l'Association pour la reconstitution et la préservation du patrimoine industriel, l'ARPI. Cette machine fut la première locomotive construite en France et la première au monde à avoir eu une chaudière tubulaire. Marc Séguin la construisit dans ses ateliers de Lyon en 1829 ou lors de ses premiers essais, le 7 novembre 1829, sur un parcours d'essai établi dans le chantier Perrache de 140 mètres avec une rampe de 16 mm et une courbe de 500 mètres. Elle atteint la vitesse de 7 km/h, remorquant 4 wagons chargés de 15 tonnes de fonte. Ces essais se poursuivirent pendant une heure. En 1981, démarra l'histoire de la reconstitution de la première locomotive à vapeur construite en France. Elle est aussi la dernière. Et ce fut aussi une longue aventure collective, puisqu'elle demanda 6 ans de travail à reconstituer les dessins, à trouver la matière, à chercher les réalisateurs. Cette réalisation permit à des jeunes ayant entrepris des études techniques de prouver leur capacité de réalisation à travers un objet technique où l'esprit et la main se retrouvent. 24 établissements d'enseignement technique, chacun en fonction de ses possibilités d'enseignement et 18 entreprises industrielles ont participé à cette aventure. Pour aboutir le 6 mai 1987, grande émotion, à sa première évolution, et le 13 mai de la même année, à sa première présentation. Depuis, elle a participé à 54 manifestations en France et Europe, tant sur des réseaux nationaux que sur des réseaux secondaires dans des conditions précises, sur des voies posées spécialement, dans des foires, forums ou commémorations d'événements, parcourant environ 1000 km à la vitesse grisante de 12 km/h et vue par des centaines de milliers de spectateurs.